congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Lieutenant général Tio Essongé Sakrichon effectue depuis ce mercredi 16 août 2023 une mission d'inspection et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de près de 12 000 recrues au centre d'instruction des Kamina dans la province du Holomanu. À sa descente d'avion à l'aéroport international de la base militaire des Kamina, le chef d'état-major général a été accueilli par le commandant adjoint de la 2e zone de défense, entouré du commandant de la base militaire des Kamina, du commandant du centre d'instruction des Kamina et de membres du comité provincial de sécurité du Holomanu. Aussitôt arrivé, le lieutenant général Tio Essongé Sakrichon s'est rendu à l'état-major de la base des Kamina où il s'est imprégné de l'évolution de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par les commandants suprêmes. Prenons la parole, le chef d'état-major général a annoncé aux officiers de la garnison de la base des Kamina la dotation imminente de la nouvelle tenue de combat de FARDC après le contrôle de l'inspectorat général et a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des instructeurs, le chef d'état-major général des FARDC a annoncé la décision du commandant suprême d'améliorer leurs primes, augmentées de 100 dollars. Ce même mercredi, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs réunis à la parade du CI Kamina. Dans sa cause rumorale, le lieutenant général Tshioué leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, pour leur détermination de défendre la nation et leur endurance tout en prêchant la discipline sous toutes ses formes. Il a à cette occasion présenté aux recrues leur nouveau commandant, le général de brigade Djanga. Discipline est caractérisé yo soldat. Tango
Le chef d'état-major général se rendra au centre d'instruction de Moura via Lubumbashi pour une mission analogue. Militaires du corps des troupes de transmission des forces armées de la République démocratique du Congo, parmi lesquels les opérateurs radio et techniciens en transmission, ont pris part du 24 juillet au 4 août 2023 à un exercice de communication de la force en attente de la SADC qui s'est déroulé à Gaborone, capitale de Botswana. Cette délégation des forces armées de la République démocratique du Congo a été conduite par le général des brigades Kaloza Félix, commandant second des corps des troupes de transmission en charge des opérations et renseignements. Cet exercice dénommé Depuis Sano, qui est organisé dans le cadre de la préparation des forces en attente de la SADC, a permis aux militaires venus de différents pays membres de la SADC d'apprendre, d'interagir, de partager les expériences et de tester la capacité de communication, en particulier l'interopérabilité de la communication de la brigade SADC. Cet exercice du poste de commandement s'est déroulé en toute sécurité et a atteint ses objectifs. Les résultats ont été transmis au chef d'état-major de la SADC. On vient de terminer avec l'exercice de transmission. Comme vous le voyez derrière moi, il y a tous les militaires des pays membres de la SADC qui ont participé à cet exercice. Comme vous le savez bien, qui veut la paix prépare la guerre. Notre pays est en guerre. Le commandant suprême nous a envoyé ici pour s'entraîner avec les autres. C'est chose faite et on a terminé. J'espère que les actes parlent mieux que les paroles. Vous pouvez voir tout ce qu'on a fait comme exercice et toutes les séances de travail. Merci beaucoup. Le criminel le plus dangereux ayant déstabilisé Mombasa et environ a été présenté à la presse ce mardi 15 août 2023 en ville de Bounia. C'est grâce à la police nationale congolaise, la 32e région militaire et le secteur opérationnel, que cette bande qui opère dans les différents sites miniers de Mombasa a été maîtrisée. Ce groupe d'une dizaine de criminels avec à leur tête M. Indocide a été démasqué avec plusieurs armes, chargeurs et munitions de guerre, a dit le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelwa Kiyo, numéro 1 de la police à Ituri. À Alandu, la bande a emporté 7 armes, 2 kilos d'or et 70 000 dollars des fusées chinois. Occasion pour le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations d'inviter les Ituriens à ne pas donner couloir aux malfrats venus d'autres provinces en vue de déstabiliser les Ituriens. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Nous sommes venus en mission. Si le chef de l'État dit maintenant, Iketnung, il dit maintenant partez, il ne nous laissera même pas le temps d'aller faire nos valises. Parce que c'est comme ça nous les militaires. Mais il restera un problème. La réconciliation, comme je vous ai parlé. Le pardon. Vous êtes-vous réconcilié? Vous êtes-vous pardonné? C'est de ça qu'il s'agit. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachuma Djouni, mise sur la réconciliation, le dialogue et le pardon sincère pour pacifier cette province. Le moment pour moi, non seulement de donner un message pour ceux qui sont ici, toute la population, mais pour ceux qui sont aussi à la table ronde. Allez-vous parler de la réconciliation? Allez-vous parler du pardon? Allez-vous donner la paix? Aujourd'hui, ce sont les gens de la Tchopo. Mais si le message, on sait que c'est en Ituri, il y a l'or, il y a tout, il y a la richesse. Il n'y a que les Ituriens qui ne savent pas que chez eux, il y a tout. Alors, on va aussi avoir des criminels qui vont venir d'autres régions. En présence de membres du comité provincial de sécurité, l'autorité provinciale, avec un ton ferme, a condamné les manipulations, mensonges et chantages sur la 31e brigade et autres autorités provenant malheureusement de personnes estimées respectueuses. En Ituri. La
L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, le général-major Makili Moudos, séjourne à Goma depuis le vendredi 11 août. En mission d'évaluation de l'opération de contrôle lancée dans la troisième zone de défense, il y a un mois, ce lundi 14 août, cette deuxième personnalité de l'inspectorat général des FARDC a mis à profit son séjour pour réunir autour d'une même table les commandants de la 34e région militaire, celui du secteur opérationnel, ainsi que les commandants des grandes unités. Dans leurs échanges, le général-major Akili Moundos a demandé au commandant de la garnison militaire de Goma de s'approprier ses travaux de contrôle des effectifs, car, a-t-il renchéri, la maîtrise des effectifs est un gage pour la montée en puissance des FARDC telle que voulue par le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a en outre évoqué le cycle complet du processus de ce contrôle qui aboutira à la distribution de cartes biométriques de contrôle à tout militaire contrôlé et enrôlé. Toutefois, il a informé l'assistance que, fort du constat fait dans son périple, il a mis en garde les officiers qui fabriquent des dossiers transformant les militaires déserteurs en décédés. Notons qu'il a terminé son speech en promettant à quiconque s'érigerait un obstacle pour l'aboutissement heureux de cette mission se verra sévèrement sanctionné. Le partisan du conflit communautaire entre les Mbole et les Lingola dans la province de la Tchopo n'ont pas définitivement enterré leur hache de guerre. Les uns recrutent des jeunes dans les cercles à Namungo, tandis que les autres côtoient les Kumu et Mituku majoritaires dans la contrée pour des affrontements futurs. C'est la raison pour laquelle les commandants adjoints de la 3e zone de défense en charge des opérations et renseignements, le général-major Kiamasa Mutupeke Diedone, vient d'effectuer une mission d'inspection et de commandement ce 16 août 2023 sur la RNT 3 reliant Kisangani à Lubutu dans la province du Maniema. Il faut noter que le commandant adjoint de la 3e zone de défense s'est fait accompagner de quelques chefs de département de la zone pour ce faire. Avant de quitter Kisangani, le commandant adjoint de la 3e zone de défense s'est adressé à l'unité d'intervention à sa suite. Briefing wana nesika soda ayeba kaisika zokende bitumba ibele to munguna longa kabiso pona soda azokende ayebe loko batota azokende kutala me soki soda oyebisie makambo oyo azokende kosala soda kozala eveye na buke binyoso akolonga misoa toyokani. Par conséquent, le col à Nazam ou Toyazamba n'a coquille jamais pour tamou la canamoutou, tout soldat, ou on a évité, n'a soldat ou y a évité. Et pas y a général Moutoupeke sur le règlement. Règlement militaire. Tout au long de son itinérance, l'autorité a contacté quelques chefs coutumiers, notamment les notables Judas Kumbu Kobo du groupe Mababingi. En outre, les troubles contre les sujets étrangers dans le groupement de Kabakaba, territoire de Lubudi, province du Maniema, préoccupent au plus haut point le général-major Kiamasa Mutupeke, de qui la hiérarchie attend une solution adéquate quant à ce. La base logistique centrale des forces armées de la République démocratique du Congo s'est dotée d'un nouveau mess des officiers baptisé mess général-major Juvenal Kazimoto en mémoire de l'ancien commandant de cette unité décédée en plein exercice de ses fonctions. La cérémonie inaugurale a été présentée par le général-major Cheshi Mayu Justine, commandant du corps logistique. Dans ce mode de circonstances, le général de brigade Longonjo Lombandi, commandant de la base logistique centrale, a
d'abord fait observer une minute de silence en mémoire de son prédécesseur. Il a ensuite remercié les commandants du corps logistique pour la concrétisation de ces projets. Ces derniers pour permettre aux officiers de prendre leur repas dans de bonnes conditions. Au passage, il a également retracé l'historique de la base logistique centrale, l'organisation et le fonctionnement de cette structure des forces armées de la République démocratique du Congo ont aussi été épinglés aux gestionnaires du MES et officiers utilisateurs. Il les a exhortés à un bon usage. À l'issue de la cérémonie, le général Longondjo a répondu à quelques questions. Vous avez vu que nous avons travaillé de main de techniciens et que nous avons rendu cet endroit idéal pour vous. Nous souhaitons que vous l'utilisez en bon escient et en bon responsable. On est officier de messieurs. Un monsieur qui s'est utilisé sa table, sa chaise dans de bonnes conditions. N'amenez pas vos querelles dans les messes. N'amenez pas vos disputes dans les messes. Dans les messes, on y entre très bien, à l'aise, et on sort avec le monsieur parce qu'on a pris ou bien un verre, ou bien une graine d'haricot ou de riz. Soyez disciplinés dans les messes et gardez tout le matériel que nous avons eu par la main de nos supérieurs, qui est le commandant corps et la hiérarchie, de donner les moyens, nous avons difficilement acquis pour vous mettre dans de bonnes conditions. Ne soyez pas comme les animaux où on aménage un endroit pour vous pour bien manger et vous détruisez cet endroit-là pour aller manger au niveau du sol. Les stagiaires de la 34e promotion de l'école de commandement et d'état-major ont effectué dernièrement une visite pédagogique dans des différents états-majors des unités de la garnison de Kinshasa. Répartis en des groupes, le premier a visité la force terrestre et la première zone de défense sous la conduite de leur commandant, le colonel Hassani Komou Eric. Le deuxième a quant à lui visité le commissariat général de la police nationale congolaise, les états-majors de la force aérienne et de la force navale sous la direction du lieutenant-colonel Mapinduzi Mouyima Jean-Claude, commandant second SM. Partout où ils sont passés, les stagiaires ont eu droit à des exposés qui portaient généralement sur l'organisation, les fonctions et l'émission des chaires structures visitées. Après les différents exposés, des questions de jeux et réponses s'en suivaient. À en croire le colonel Hassani Komo Eric, le commandant de l'école de commandement et d'état-major, l'objectif qui était d'avoir une idée sur les différents états-majors de la garnison de Kinshasa est atteint. Il a ainsi remercié toutes les autorités qui ont accepté que cette visite pédagogique ait eu lieu dans leurs structures respectives. La défense des intérêts fondamentaux vitaux et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national constituent les missions régaliennes de notre armée. Ainsi, les phares de ces sont les instruments du pouvoir pour contrecarrer toute menace contre la souveraineté de la nation. Nous tous, peuple congolais, sommes censés de soutenir les forces et tous les services de sécurité engagés pour la défense du pays. Suivez le général de brigade Batabombi Apanza Jadaniel, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées en charge des opérations et renseignements. Je voudrais comme message aux forces armées, on doit être clair, les pays en guerre viennent unir ici le territoire congolais. Et la solution ne peut venir que des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui la population, à travers la Constitution, lui a confié la mission, celle de la défense de l'intégrité territoriale et les frontières, la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que la protection des ressources naturelles et la protection des institutions. C'est nous qui avons cette mission. Les autres qui nous viennent en appui dans le cadre de la coopération, oui, on ne peut pas travailler en autarcie. Mais est-il que la motivation n'est pas la même? C'est nous qui nous sommes engagés solennellement, nous avons prêté serment pour militer que pour la cause Congo, pour verser notre sang pour la liberté du peuple congolais. Alors, chers compagnons d'armes, je vous exhorte donc à maintenir la loyauté à l'autorité du pays, j'ai cité le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de demeurer confiant à nos chefs hiérarchiques qui ont reçu le pouvoir
de diriger cette armée. Vous devez rester unis, que personne ne vienne injecter le climat de méfiance, du genre c'est une guerre politique. Non, ce n'est pas une guerre politique, nous sommes plutôt agressés. Et nous avons l'obligation légale de dégager cet ennemi par la force des armes. C'est ça, notre mission. Le diplomate lui fait la paix, nous nous faisons la guerre. N'abandonnez pas les armes, n'abandonnez pas vos compagnons en cas de problème ou de blessés. C'est notre pays, il restera un et indivisible. Et maintenant, comme c'est trop et ça gêne, la possibilité des droits de poursuite pour ramener l'ennemi au-delà des frontières, pour que cette fois-ci, les peuples de l'autre côté ressentent ce que vit la population congolaise, parce qu'ils ont des mauvais dirigeants qui ne sont là que pour déstabiliser la République démocratique du Congo avec un pillage systématique pour massacrer nos populations, pour violer les femmes, les filles et les autres crimes graves qui ne resteront jamais impunis, bien sûr. Et nous, nous ne pouvons pas accepter que cette aventure puisse se perpétrer. Cette fois-ci, il faut qu'on en mette fin. Et nous avons le soutien de l'autorité du pays, nous avons le soutien de notre population qui nous ressentons, comment ils nous accompagnent. Et c'est ici aussi, pour moi, l'occasion de dire à la jeunesse, c'est vous qui alimentez nos fonctions opérationnelles. La mobilisation générale est lancée. Oui, nous vous félicitons pour l'engouement que nous sentons au niveau des centres d'instruction. Mais, parce que nous sommes trop ambitieux, les recrutements se poursuivent. C'est vous, la jeunesse, qui rassurez l'avenir pour demain et les lendemains. Venez massivement au sein de notre armée pour que vous puissiez former, entraîner, que nous puissions relever les défis dans les différents domaines de la vie nationale. Vous êtes les bienvenus. Nous, en tant que frères aînés, nous comptons sur vous. Il n'y a pas d'hésitation. C'est le bon moment que vous puissiez montrer votre sentiment pour notre nation. Pour ce qui concerne les recrutements, à tous les niveaux, que ce soit la formation de base, les références sont claires à Kinshasa. Venez au cas lieutenant-colonel Kokolo, à la tribune, vous allez trouver les corps de recruteurs sont là. Et dans les provinces, allez dans les états-majors des régions militaires. Vous serez bien accueillis, vous serez bien reçus. Et vous serez bien orienté pour que vous puissiez être formé de manière régulière pour que vous puissiez rendre un service à la nation. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation. Et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele, totombola bendele ya mboka na biso.